Au-dessus du trou dont la perversité serait de m'aspirer vers les profondeurs de la terre, je répète chaque jour les mêmes rotations de mains afin de mettre en spirale des bandes de pellicules sensibles à la lumière. Sortant de ce lieu obscur par la cuisine, je traverse une pièce vide et centrale qui permet d'accéder à la chambre. La bobine protectrice qui contient le film enroulé d'une hauteur de 3 mètres est placée entre le plafond et le sol de la chambre. Intimement, elle épouse la vacuité laissée par le lit et la table sur laquelle j'écris. Entraînant avec moi l'extrémité du film issu de la bobine, je retraverse la pièce médiane pour revenir à la cuisine. Là, la machine rotative, qui ne laisse que peu de place pour l'utilité même de ce lieu convivial, se met en marche et aspire par une succion régulière la matière sensible avec laquelle je la nourris. J'y accroche la pellicule. Le film disparaît dans les engrenages de la machine rotative à succion.